Bonjour à tous, je suis Alice. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un plat rafraîchissant à base de concombre et de poulet. La recette est simple et délicieuse. Alors suivez la vidéo et faisons-le ensemble. Tout d'abord, préparez 3 cuisses de poulet. Lavez-les, retirez les os et coupez-les en morceaux. Puis mettez-les dans un bol. Coupez les ciboulettes. Puis les gingembre en tranches. Ajoutez-les dans un bol avec un peu d'eau. Pressez le mélange ciboulet-gingembre à la main pour en extraire le jus. Puis versez-le sur le poulet. Et mélangez bien. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce d'huile, un peu de poivre, un peu de sel, une cuillère à soupe de fécule de maïs. Mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une marinade homogène. Enfin, ajoutez un peu d'huile et continuez de mélanger. Laissez mariner pendant 10 minutes. Préparez un concombre, lavez-le et coupez les extrémités. Puis coupez en 4 dans le sens de la longueur. Retirez les pépins du centre et coupez le concombre en morceaux de taille similaire, puis réservez. Lavez et épêchez une demi-carotte, coupez-la en tranches épaisses, puis en bâtonnets, et réservez. Hachez l'ail et le gingembre, réservez. Préparez ensuite la sauce en mélangeant une cuillère à soupe de sauce soja, une petite cuillère de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de sauce d'huître, un peu de sucre et une cuillère à soupe de fécule de maïs. Ajoutez de l'eau, mélangez bien et réservez. Préparer la sauce à l'avance facilitera la cuisson. Chauffez une poêle. Ajoutez de l'huile. Ajoutez le poulet. Faites-le revenir jusqu'à ce qu'il change de couleur et dégage de la graisse. Retirez-le de la poêle et réservez. Dans la même poêle, ajoutez un peu d'huile. Ajoutez les morceaux de carottes. Faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Puis ajoutez les morceaux de concombre et faites-les sauter rapidement. Ajoutez ensuite l'ail et le gingembre. Faites sauter rapidement à feu vif. Ajoutez le poulet réservé. Faites sauter encore un peu, puis versez la sauce préparée précédemment. Faites cuire jusqu'à ce que la sauce épaississe, puis retirez du feu. Votre poulet sauté au concombre est prêt à être dégusté. Ce plat rafraîchissant est délicieux. Bon appétit à tous!